Il fait un très grand plaisir pour rejoindre nous pour nous bonne nouvelle sports. Bonsoir et bienvenue pour suivre dans football. Draw pour Stars Group tournoi COSAFA 2023. Tu fais le 29 mai. Là, nous, l'équipe nationale aussi, peut préparer pour sa compétition. Juste pour rappeler que c'est Céline tombe dans le groupe B. Côte-là aussi, y a un club champion, la Zambie, Malawi et que nos voisins, l'océan Indien, Comore. Un groupe assez difficile pour nous, l'équipe. Bon match pour jouer entre les 5 à 12 Ziliètes, avec bonne semi-finale qui nous programme pour les 14 Ziliètes. Et finale, avec match 3e place qui poursuivent 2 jours plus tard, veut dire les 16 Ziliètes. Mon collègue Djihad Boniface, tu as une chance de suivre une autre session d'entraînement en préparation pour son tournoi et m'en propose sa reportage. Pour l'équipe CCL, depuis vendredi, j'ai entré dans un camp d'entraînement en préparation pour la compétition COSAFA qui a commencé mon poussin. D'après l'entraîneur Vivian Bout, il nous a une session d'entraînement qui a vraiment bien. Cette fois-ci, nous l'entraînement qui a bien. Et vu que le football est fini, la saison de football est finie. Ça veut dire non, un petit peu plus le temps que maman. Pareil, il y a un coup de safran, tu n'as pas presque dit tout le temps. Sauf ça, voici, non, un petit peu plus le temps que maman pour nous préparer l'équipe pour sa compétition. Et il y a une compétition qui nous, définitivement, nous avons fait plus bien que la dernière fois que nous avons fait. Dernière fois que Cécile tu participes dans le coup de safran, tu as perdu tous les autres matchs, mais pour ça, il y a un coup de safran, il y en a un nouveau format qui nous a introduit. Moi, je crois un petit peu plus bien que avant, vous avez un groupe. Après, je prends premier, après, il y a un team qui va nous dire tout, il y a so, je crois que ça passe bien. Et le temps, nous avons un groupe qui nous tombe là-dedans. Je crois qu'on a un sens pour nous faire plus bien. Et why not, c'est qualifié semi-finale. Ça, le nouveau format, il y a un côté bon. Il donne nous l'avantage. Si nous faisons bien nos premiers games, après, nous pouvons look forward pour nous gagner nos premiers games. Et la guerre, nous deuxième game aussi, et mon quoi, quelque chose va me donner l'avantage. En tout, un total 27 joueurs et dans sa camp d'entraînement qui pour faire pour 3 week-ends en préparation pour sa compétition. Moi, l'atmosphère, c'est en l'air. Moi, bon joueur, puis mettre l'infrastructure, puis mettre l'emphase pour sa compétition comme ça, qui peut venir. Et moi, tout joueur, il est en bonne forme, vu que la dernière game est finie. Et là, nous mettons ensemble, à l'équipe nationale, groupé, pour nous training camp là, et pour bon. Training qui peut venir aussi. Là, nous avons des trainings, nous avons 3 trainings et mon quoi préparation et puis là, c'est bien. Je traîne une fois par semaine. Là, aujourd'hui, là, nous commençons nos training camp. Quand ça va passer, nous partons mal fait, comme si nous avons 3 défaites. Score, c'est assez normal, nous n'avons pas dit. C'est un coup de ça va qui là, toujours, mon quoi, parle pour Addis. Un coup win pour nous, pour le prochain stage qui en a. 10-23 heures qui pour faire déplacement pour sa en compétition et je t'expecte quitte payer les 4 Ziliètes. Nous souhaitons que l'équipe y fait bien dans sa en tournoi COSAFA. Et en relation avec le football, aujourd'hui, tenant un match league pour bonne femme, la leader Montfleury Rovers fait encore une autre grosse victoire, 10 ans, l'équipe en bas 18 ans. Juste pour noter que jusqu'à présent, ça l'équipe Montfleury Rovers n'a pas encore perdu aucun match sa saison. Après 11 matchs, c'est en 33 points. Dans le volleyball, aujourd'hui, nous connaissons les deux finalistes du tournoi Divisional Cup, le côté Bonsomme première division, ça Ini Boys et Premium Spikers. Dans un match semi-finale, qui nous Gymnase La Promenade, Neo Boys bat Tonio 3-7 le D, tandis que Premium Spikers gagne son match 3-1 contre Club Pralinois Brotherhood. Et samedi prochain, nous pouvons bonne finaliste sa tournoi pour bonne femme première division, l'étant bon match semi-finale Izoué. Merci pour suivre. Madjou passe un bon dimanche, ainsi bien qu'un bon la journée Constitution demain.